fois de plus, j'avais réussi à échapper à mes ravisseurs, d'une manière si habile que même le scénariste n'avait pas réussi à la trouver. Je pouvais enfin mener la grande vie, celle dont on a tous un jour rêvé. Une vie d'aventure, à travers la galaxie, vécue intensément. Mais ils m'avaient rattrapé. Il faut dire que le monde de la pègre ne rêvait que de m'abattre. Ils avaient presque réussi, mais c'était sans compter sur mon arme secrète. Il leur faudrait bien plus que ça pour m'avoir. Qu'importe qu'ils soient 10, 100 ou 1000, je les abattrai jusqu'au dernier. Je suis Cobra. Le touriste galactique. Ok, mais en fait, je voulais juste savoir ton nom, hein. T'es attendu dans le tunnel B pour miner, hein, monsieur le touriste. Loser. Born one morning when the sun didn't shine, I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. En fait, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je vous explique un petit peu comment je suis arrivé là. Bougez pas, je reprends l'histoire un peu plus tôt. Pour moi, tout avait pourtant si bien commencé. La musique était bonne, la température impeccable, les boissons de qualité. Alors les cheveux comme ça, c'est non, hein. Bon, admettons, ok. Allez, reprenons. Décidément, New Babbage avait tout ce qu'il faut pour nous faire rêver. Les journées s'écoulaient au rythme de ces quelques mots. Star Citizen, le jeu est beau. Un peu de transport sur Hearthstone, quelques colis sur Lyria, des boîtes noires à récupérer dans des épaves, puis d'autres colis, un peu de combat, encore des colis, un petit bunker par-ci, par-là. Les astres semblaient s'aligner quand tout à coup je me suis demandé. Et maintenant ? Je fais quoi ? J'en étais arrivé à me dire que finalement j'avais fait le tour quand tout à coup cette mission a popé sur mon Bobby Glass. Besoin d'un boulot ? Et c'était signé Ruto. Si je dois bien reconnaître une chose, c'est que depuis que Star Citizen est jouable, j'ai des étoiles dans les yeux. Ah bah c'est à cause de ça que tu te craches tout le temps comme un bleu. Merci. Donc peu importe qu'on soit en alpha, qu'on manque de telle ou telle chose, que le jeu sorte dans 10 ans, le plus important c'est qu'on s'amuse, qu'on ait du fun et qu'on passe un bon moment. Star Citizen, ça se limite pas qu'aux missions, qu'elles soient du bon ou du mauvais côté de la loi, hein. Star Citizen, c'est tout ce que tout le monde fera avec ce jeu. Du coup dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit tour des différents types de gameplay, qu'ils viennent des joueurs ou du jeu, afin de vous montrer ce qu'il a dans le ventre. C'est parti comme au cinéma! Pour moi, on peut séparer les gameplay en 3 grandes catégories dans Star Citizen. Ceux qui rapportent du fric, ceux qui rapportent de la réputation, et ceux que vous créez. Bon, du coup, ceux-là, ils rapportent que dalle, mais ils font vachement bien sur le CV. Alors, on va commencer par le gameplay qui rapporte du cash. Bon, bah, c'est pas super compliqué, il s'agit principalement des missions, hein. Mais plutôt que de vous détailler chaque type de mission, je vais me concentrer sur celles qui vous rapportent le plus de fric, et surtout le plus rapidement. Ça vous fera 8$! Le plus rentable sans se salir les mains, c'est sans doute le multi-mission, c'est-à-dire de cumuler des missions faites au même endroit sans avoir à trop vous déplacer. Vous pouvez par exemple cumuler les missions Search, Investigation et Delivery, comme ça dans la même épave de vaisseau, bah, vous partirez à la recherche d'un équipage, de la boîte noire et d'une partie de la cargaison, soit environ 24 000 crédits pour un petit quart d'heure de boulot. Argent facile, allez viens. Bon par contre, prenez des armes, hein, parce qu'il est possible de croiser des pilleurs d'épave et d'autres joueurs venus aussi pour faire des missions. Hein. Ah oui, dernière chose, hein, ces missions seront débloquées qu'à certaines conditions, mais ça je vais vous l'expliquer dans la partie réputation. Une autre mission très rentable pour le peu de temps qu'elle va vous prendre, c'est la mission de libération du 890 Jump, hein, que vous pouvez faire soit à Microtech, soit à Réa 18, à condition de pas mourir. Ah oui, c'est capital comme tuyau, merci. Mais de rien ma gueule. Ah oui, d'ailleurs, un autre petit tip, c'est quand vous lancez une partie, prenez tout de suite la mission qui s'appelle Call to Arm. En gros, cette mission, elle reste pendant toute la partie, et à chaque vaisseau pirate que vous abattrez, bah, ça vous rapportera quelques crédits. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Faut quand même que je vous dise que les missions qui rapportent le plus de cash, c'est les missions données par les pirates. Elles sont super cool à faire, mais par contre, bah, vous allez prendre des crime stats. Encore là, bah, je vais vous en parler plus en détail dans la partie réputation. Pour le reste, bah, vous pouvez faire des livraisons de colis, des missions de mercenaires, de la chasse à la prime, et du transport, mais le transport, étant donné que ça va beaucoup changer en 3.11, je le garde pour une prochaine vidéo. C'est ça, je te crois. Et enfin, ce qui rapporte le plus d'AUEC, en tout cas pour le moment, bah, c'est la mécanique du jeu la plus avancée, celle qui passionne les foules avec son gameplay vif, dynamique et imprévisible. Je parle bien sûr du minage. Mais plutôt que de vous en parler, je vais laisser la place à notre meilleur envoyé spécial qui déjà a super hâte de vous le présenter.
Alors Jean-Michel, parlez-nous du minage. Malheureusement, touriste, je suis déjà en train de préparer une démonstration. Merci, Michel. Mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse entre les mains de mes deux meilleurs spécialistes. Mais enfin, puisque je te dis que c'est à nous, on est censé présenter le minage. Mais putain, c'est écrit dans le script. Ok, mais faudrait peut-être allumer la télé. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une super idée, tu vas voir. Ta-da! Non mais on va peut-être pas vous déranger en fait. Ah ah, je sais ce qu'il faut leur demander. Commencez à miner. Je suis sûr que ça va marcher. C'est une super idée, c'est la partie la plus fun. Non mais en vrai on va y aller probablement. Bah 2 minutes alors. Ok, on se casse. Bon, j'en étais où du coup? Ah oui, la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, bah, c'est celle qui rapporte de la réputation. Bon, elle rapporte aussi du fric, hein, mais pas grand-chose, du coup on peut facilement passer à côté. Alors la réputation, c'est quoi? Par exemple, tout le royaume pense que vous êtes un con. Alors oui, mais en fait c'est pas le sujet. Non, en fait c'est la somme des actions et des missions que vous avez faites qui vous permet de débloquer d'autres missions dans le jeu en fait. J'ai encore rien compris. Prenez en compte que la réputation se fait en fonction de chaque action, de chaque zone du jeu et de chaque type de mission que vous prenez. Bon, par exemple, si vous faites une mission de chasse à la prime pour l'UEE autour de Crusader et qu'elle est réussie, votre réputation de chasseur de prime à Crusader va augmenter, votre affinité avec l'UEE va augmenter, du coup, votre affinité avec les pirates va baisser, vous débloquerez d'autres missions pour l'UEE autour de Crusader qui rapportent de plus en plus de fric et qui sont de plus en plus dures. Après, faut savoir aussi que quand vous démarrez le jeu ou simplement après chaque patch, bah, y a plusieurs missions à faire en priorité si vous voulez débloquer d'autres missions. La chance, c'est qu'elles sont toutes autour de Crusader. La première, c'est PI Wanted. Elle est super rapide à faire et elle va vous débloquer toutes les autres missions d'investigation. Si vous la faites pas, en gros, bah vous aurez juste accès aux missions où faut aller retrouver le pélo qui s'est tué dans une grotte, là. Tout ce qu'il nous faut, c'est des allumettes et deux couilles, et je t'assure que j'ai ça dans mon pantalon. Ah oui? Ouais. Bon, après, vous avez la mission de Merde, bon, celle-là, là. Bah en fait cette mission elle est juste indispensable pour débloquer la catégorie de chasse à la prime. Ensuite bah vous avez 2 deliveries qui sont Complete Delivery Order et Personal Effects. Donc ces 2 deliveries cumulées avec PI Wanted vont vous permettre de débloquer toutes les missions qui concernent les épaves de vaisseau. Alors ouais j'ai mis ces 2 missions parce que je sais jamais laquelle il faut faire, du coup bah je me tape les 2 à chaque fois hein. Une fois ces 2 missions faites, bah vous serez libre d'aller voir tous les donneurs de missions du jeu pour aller faire évoluer votre réputation. Alors, pour vous expliquer un peu les donneurs de missions, vous avez les gentils. En vrai, bon, bah ils sont pas vraiment gentils, faut pas déconner, hein. Genre, bah il y a Constantine Hearthstone. C'est la définition même, tu sais, de l'histoire écrite par les vainqueurs. Hein. En gros, ce mec donne des missions pour faire le sale boulot à sa place, bien sûr, pour faire le bien. Et pour ça, il recherche... comment dire... Un petit connard à qui on pourra faire tout ce qu'on veut. Nous quoi. Donc c'est le premier donneur de mission d'Hearthstone, si vous faites 2 ou 3 missions avec lui, bah vous débloquerez les missions de Clovis Darnelli. Alors Clovis, lui, il vous donnera des missions de piratage, puis d'ailleurs, bah c'est les contre-missions de celles de Constantine quoi. Bon, ensuite vous avez Rico, bah il se trouve à l'esqui, et puis bah c'est des missions de livraison, faut aller récupérer une boîte pleine de cailloux, puis lui ramener. Après, c'est un perso qui sera dans Squadron 42, du coup pour le moment, bah on sait pas grand chose sur elle. Ensuite vous avez Miles Eckhart. Alors lui, j'ai jamais su dans quel camp le mettre. Enfin bref, c'est plutôt de l'assassinat son rayon, sûrement un pacifiste. Du côté des méchants, ouais parce qu'autant les autres, on savait pas trop de quel côté les placer, mais eux on est sûr là. Hein. Du côté des méchants, alors le big boss, c'est Ruto. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout à poil? Peggy 18. Tout va comme vous voulez, cher monsieur. On prend le frais, c'est ça? C'est le boss de Grimex, mais c'est aussi pas mal le boss de Stanton. Hein. À la fois, quand t'as marqué trou du cul sur ta face, on se doute bien que le gars est pas là pour compter les pâquerettes. Hein. Si vous voulez faire plein de fric, il faut faire ces missions. C'est grâce à elles que vous débloquerez des missions d'assassinat combinées. Tu sais, tuer 2 cibles en même temps, qui rapportent 40 000 UAC. Bon alors, en fait, le problème, c'est que j'ai jamais réussi à débloquer les missions d'assassinat double dans le PU. Du coup, bah, à la place, je vous ai mis les images de la grenouille la plus cute du monde. En
Ensuite, il y a Tessia. Alors, plus le temps passe, plus elle devient une ordure. Hein. Au départ, fallait juste aller livrer un petit peu de drogue. Bon, c'est pas terrible, mais sur l'échelle des connards, on est quand même pas si pire. Mais là, la nouvelle mission, faut aller buter des mecs pendant qu'ils dorment en cryogénie pour éviter qu'ils la balancent. Ah, puis ce son, tu sens qu'il souffre, quoi. Enfin, ben, vous avez Wallace. Bon, lui, c'est un peu écrit sur sa gueule qu'il est pas net, hein. T'as juste envie de lui dire... T'as pas une gueule de porte-bonheur. En bref, les missions pour les méchants, elles vous mèneront à du crime stat et vous aurez un contrat sur votre tête. Mais elle rapporte masse thune. Du coup, bah, si vous prenez cette voie, mon conseil, c'est de faire un circuit de mission. Par exemple, une attaque simultanée, puis désactiver un commeré, puis tuer les soldats dans un bunker de l'UE, attaquer un convoi de prisonniers et aller enlever vos crime stats au poste de sécurité. Ce petit circuit est pas facile, hein, il vous donnera clairement du fil à retardre. Par contre, il devrait vous rapporter en gros 100 000 crédits à partager avec vos potes. On a 5 000 dollars, on a 5 000 dollars. Pour info, à l'heure où je vous parle, le bunker qui s'appelle LEV-A, bien sûr à pas confondre avec ST422, R2V, K2X, J88 ou encore XF2. Là, c'est SVI aussi. On s'est encore trompé. Ce qui est cool, bah, c'est qu'il n'y a pas de garde en fait. Attends, what? Ah bah si, en fait, depuis la 3D, il y en a. Donc si vous voulez avoir accès au plus grand nombre de missions, il faut rester le plus neutre possible, en faisant des missions pour l'UEE, pour les pirates et pour les contractants indépendants. Je vous propose une guerre thermonucléaire globale. Ah, le brave petit. Ok, assez parlé de fric et de réputation, maintenant il me reste à vous parler de ce qu'il y a de plus important pour moi dans Star Citizen. Les vaisseaux? Non. Les 30K alors? Non. Le pouvoir de l'amitié? Mais non. Le plus important, bah, c'est vous en fait. On est fort le salaud. Et ouais, c'est toi derrière ton écran et tout ce que tu feras dans ce jeu. C'est ce qui fait qu'on joue tous à ce jeu, c'est son côté bac à sable, son potentiel à créer des gameplays. Je vais vous montrer ici quelques exemples de gameplays qui ont été créés par des joueurs. Un des plus bels exemples pour moi, c'est le vol en Razmot. C'est un truc facile à apprendre et difficile à maîtriser. Bon, c'est clair que c'est pas moi qui vais vous en parler, hein, vu mes talents de pilote. Du coup, bah, j'ai avec moi Terada. Terada, un petit mot sur le Razmot? Hein? C'est vraiment, vraiment très, très bien. Merci, Terada. Non, pour vrai, allez voir ses vidéos, hein, je vous jure, il est meilleur que ça. J'ai mis le lien dans la description, hein. Surtout celle sur le découplé, vous aurez l'impression d'avoir compris le kung-fu, quoi. Mais c'est pas forcément nécessaire non plus d'être en vaisseau pour s'amuser. Réunissez quelques potes et partez faire des courses sur les lunes ou les planètes. Il vous suffit de trouver deux avant-postes à environ une soixantaine de kilomètres l'un de l'autre et le tour est joué. Vous pouvez faire des courses en cyclone, bon à condition de savoir conduire, hein. En dragonfly, à condition de savoir atterrir, ou en Ursa, à condition de pas être pressé. Hein. Sinon, il vous reste le Destruction Derby en Grey 4 dans un cratère, à condition, bien sûr, de... Remarque, non, hein, on est tous plus ou moins à force égale dans un Grey 4. Ensuite, il y a tout ce qui est PVP, hein, la baston, quoi. Alors là, les choix ne manquent pas. Hein. Vous pouvez vous foutre sur la gueule dans un vaisseau, à pied, dans un ring, en cyclone, ou mélanger tout ça. Ça devient de plus en plus amusant. Il vous suffit de trouver un coin tranquille et paisible pour y poser deux vaisseaux et transformer ce charmant paradis terrestre en un champ de bataille énorme avec des vaisseaux qui explosent comme dans le meilleur des Steven Seagal, tu sais, celui où il libère l'Alaska d'un désastre environnemental d'une station pétrolière bien cradasse là, en faisant tout sauter et en cramant en même temps tout un écosystème sur 300 bornes. Ça, c'est de l'écologie. Vous pouvez aussi occuper un avant-poste de sécurité pour empêcher les pirates d'enlever leur crime stat en les renvoyant direct en tôle. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le simple conseil de Tonton Stone. Je veux que tu protèges cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur, ok Tonto? Oui monsieur. D'ailleurs, à propos de pirates, un petit mot là-dessus. Alors que certains crient au griffeur, au stream snipe ou encore à l'injustice. Bande de criminels! Mon avis, c'est qu'il y a enfin un challenge à la hauteur. Alors c'est sûr que si jamais vous voulez faire du transport en Caterpillar, bah il y a fort à parier que vous allez vous faire attaquer au moment où vous y attendrez le moins. Les pirates sont organisés, ils savent se battre et ils ont des moyens énormes. Et assez d'armes et de personnel pour aller occuper Paris. Mais ils ne sont pas pour autant inattaquables. Du coup, si vous voulez les faire chier un petit peu, bah en fait c'est assez simple. Hein. Il vous suffit de les attendre autour des Comorés et de rebrancher le satellite une fois qu'ils l'ont désactivé. Ou alors de les attaquer dans l'intérieur de la structure et de les descendre. En plus, vous avez même une mission pour vous indiquer qu'il est débranché. Grâce à ça, quand ils passeront à l'attaque, bah, ils chopperont du crime stat. Plus ils auront du crime stat, plus ils seront en sursis. Car en plus de vous, ils auront bah, tous les chasseurs de primes et l'advocatie à leur trousse. Et puis, il faut savoir que la prison, là, elle devient de plus en plus punitive. Hein. Je vous parle de ça, mais il y a plein d'autres moyens de vous battre contre les pirates. Soyez inventifs, logiques, et vous verrez que même les pirates peuvent se faire surprendre.
Bon, il reste un gameplay dont j'ai parlé juste avant et dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, mais sur lequel je vais revenir un tout petit peu, c'est le vol de cargaison. On peut pas encore voler de cargaison. Par contre, on peut faire exploser un vaisseau, récupérer 30% des caisses et aller les revendre à Grimex. Alors, c'est vrai que c'est pas la totalité, mais bon, c'est quand même un petit 100k gratuit, alors on va pas s'en priver, hein. Yep, encore un bon petit pactole pour Bibi. En conclusion, je pense qu'on a tous commencé Star Citizen par soif d'explorer l'espace, de devenir un aventurier aux commandes de son propre vaisseau. Mais peut-être trop habitué aux standards du jeu vidéo, on cherche trop souvent la mission ou le tuto pour avancer dans le jeu. Mais comme dirait Yoda, tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. C'est à nous de créer le gameplay. Et Star Citizen, par son terrain de jeu immense, permet à tous de s'exprimer, quelle que soit notre manière de jouer. Alors créez votre aventure, votre gameplay, et surtout, ne faites pas comme moi. Ouais, enfin, c'est bien sympa, mais ça dit toujours pas comment tu t'es fait choper puis t'as fini en prison, hein. C'était quoi, ça? Le bruit que vous venez d'entendre est celui d'une onde de choc électrique produite par un pistolet Lightning Bolt. Mais laissez-moi plutôt vous l'expliquer à l'aide de cette brève démonstration. Je pense que c'est ici que je vous avais laissé tout à l'heure. Moteur. Light. Et go! Stop! La puissance électrique contenue dans ce tir aurait de quoi assommer un bœuf sans aucune difficulté. Ok, mais du coup, il est assommé? Normalement, oui, Nicolas. Seulement pas cette fois-ci. Dans le cas du touriste, il s'est plutôt produit la même chose que cette planche de bois. Moteur. Light. Et... ok. Impeccable, Terry. Ah, vous m'avez descendu. Ça y est, presque cette fois. Salut à tous et merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai créé récemment un Patreon dans le but de financer la suite de mes aventures. Vous trouverez le lien dans la description. Sachez que toute contribution est extrêmement utile et ça m'aidera à créer du nouveau contenu dans des délais plus raisonnables. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.